Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, découverte avec vous sur ce nouveau Kona, un jeu d'aventure survie au Québec. Vous êtes dans la peau d'un détective privé, tout ça. Je vais pas tergiverser 15 ans, je suis super chaud pour faire cette découverte avec vous, donc on va y aller maintenant. Ce qui me saoule, c'est que j'arrive toujours un petit peu en retard. J'ai vu que Skyrose avait déjà fait une vidéo dessus, ça m'énerve un petit peu, mais je vais la faire et j'ai envie, je suis sûr qu'il y en a qui ne connaissent pas encore ce jeu et on va découvrir le début de l'aventure ensemble. Nord du Québec, Carl Fulbert était fouilleur professionnel. C'est dire que depuis son retour de Corée, où il a servi sous les drapeaux, il exerce à titre de détective privé à Montréal. William Hamilton, un riche industriel, l'avait contacté en lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un homme. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. Ta cendre. Mais c'est toujours pareil. Le client paye, Carl l'exécute. C'est moi qui contrôle la voiture. Nice, let's go. Ils avaient rendez-vous au magasin général. Ça appartenait à son client. En fait, tout le village appartenait à William Hamilton. Ça va relativement vite, hein. Donc on est déjà sur une intrigue, on a rendez-vous avec quelqu'un au magasin général, ok, très bien. Ah, what is going on? Qu'est-ce que c'est? Quand la route est mauvaise, boueuse ou enneigée, c'est la coutume dans ce coin de pays d'en restreindre l'accès. Lac. C'était aussi la coutume de ne pas trop y prendre garde et de passer quand même. Halte routière. Lac Atamipec. 2 kilomètres, enfin 2 miles. Voilà, moi pas chipoter. Carl attendait depuis un moment qu'un employé surgisse pour relever la barrière. Mais non, je viens d'arriver, gros. Comme c'était étrange, d'ailleurs. Je viens de poser ma voiture. Une route comme celle-là, je peux pas ainsi ouvrir. Obstruée. Donc, décidément, aucun employé ne se presserait à ouvrir la barrière pour une route qui menait nulle part. Donc, Carl devait de se débrouiller seul. Mais arrête de parler aussi! Oh là là! Bon, j'avoue, c'est intéressant d'avoir les sous-titres narratifs, mais... Le jeu est magnifique, c'est vraiment prenant, tout est beau, il y a une sacrée ambiance. Donc, je présume que je dois chercher de quoi ouvrir. Il y a une petite boîte. Et bien évidemment... Qu'est-ce que c'est? Allume-feu. D'accord. Donc, j'ai récupéré une espèce de petite pince Monseigneur qui va me permettre de couper la chaîne et de passer. Donc, voilà, en plus d'être un détective privé qui bosse sur une affaire de ouf et tout, machin, on est un vandale. On incarne un vandale qui pète des cadenas, on sent pas les steaks. En plus, ça appartient, je présume, à la municipalité. Maintenant que Carl remplisse son devoir. Hamilton l'attendait au magasin général. Ouais, mais enfin, c'est chaud là, tu risques la garde à vue, poteau. Hein. Devoir remplir son devoir, vandaliser pour ça. Si c'est fermé, il y a une raison. On va se faire couiller. Ah oui, les gars, j'étais gendarme aussi, vous ne me croyez pas. Regardez les paysages. Était divisée au sujet. Oh, mais mec, mais t'es sérieux? Comment tu veux que je fasse du commentariste si tu parles tout le temps? Fortuné au service de l'économie de la région. D'autres le détestaient jusqu'à manigancer contre lui. Ce vieil anglais riche, prêt à tout pour gonfler son industrie. Oui. Merde, dernièrement, je fais du hors-route. William Hamilton s'était porté acquéreur de divers commerces locaux et avait mis en branle la réouverture d'une mine, éveillant hurlements de colère et menaces dont la population crie. Enfin, il arrête de pas... Pourquoi il y a des bandes noires? Wouh wouh! Chauffard, va. Bon, je savais qu'on allait se faire couiller, c'était obligatoire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis mort, j'ai perdu, j'ai fait un truc de travers? Dis-moi tout. Quelques heures plus tard. Oh... Carl devait sortir de là. Le froid et la douleur appelaient des soins de toute urgence. Ah ouais, bah on disait merde. En plus, il est blessé. Et j'ai un indicateur de température en haut à gauche qui descend. Donc va falloir que je me réchauffe. Et c'est là que le jeu commence, les amis. Donc on est bien dans un espèce de jeu narratif, roleplay, scénarisé. C'est cool, nice. Ok, donc là, j'ai rien. Je peux... Ok. Carl est mal en point, il doit soigner ses blessures, se réchauffer avant de continuer. Est-ce que l'autre conducteur va bien? Le pont est complètement défoncé, donc déjà je peux pas revenir en arrière. Le chauffeur avait des guerpilles. Il fallait tout de même fouiller, ne rien laisser au hasard. Carl avait besoin d'assistance. Une nouvelle écriture au journal. Hey! Lire A. D'accord, il m'a viré la photo, bien. Ok. En pleine campagne, il restait à espérer qu'un garage abandonné ou une fermette borde la route. Sa survie en dépendait. Là, il y a un petit truc. C'est quoi, ça? Sa mère serait vraiment fière de lui. Il se le sort, quoi. What? What is this? Une bûche. Encore.
J'en prends, hein. L'inventaire de Karl est plein. Ah, c'est lourd, une bûche, alors. Karl se demandait s'il devait endurer encore longtemps le froid qui lui piquait la peau. Ça, je peux mettre du feu. Nice. J'ai mon cerveau qui remonte, ma santé intellectuelle. Regardez voir en haut à gauche un petit peu. Indicateur de chaud, indicateur de cerveau, je comprends pas. Donc du coup, j'ai vu que j'avais récupéré des trucs. Lorsqu'il est stressé, Karl vise moins juste et court moins longtemps. Ça veut dire que je vais avoir une arme. Donc j'ai eu un document. Photo Isabelle. Voilà un beau désespoir fait de poésie nordique. Donner du sens à tout, mais la disparition n'était pas très sensible aux phrases pleines de guerre. Je défendrai la pureté contre vent et marée, contre glace et blizzard. Alors. J'avais pas ouvert. Yes, la trousse de premier soin. C'est bon, j'en ai une. Consommable, trousse de premier soin. Impeccable. Et du coup, je peux reprendre la route maintenant, on est d'accord. Et notre enquête démarre bien. Enfin, on va dire ça. Nice! Ça y est, je peux rentrer dans la voiture. On va reculer. Voilà. Et c'est parti. Marche avant, let's go! Par contre, on voit pas grand chose. Écoutez, un bon petit jazzouné là. J'espère que je vais pas faire d'accident de nouveau parce que. Et la voiture a une bonne tenue de route pour une bagnole qui n'a qu'une... Et comment je suis censé savoir où est-ce que je vais? Il y a plusieurs chemins ou... Ah, ça y est, un accident. Oh, ok, on est arrivé, ça y est. Quoi cette caisse là? Fragile et ça traîne au milieu de la neige, vous vous foutez de ma gueule définitivement. On va aller faire un petit tour à l'intérieur, voir un petit peu ce qui se passe. Qui est le tenant? Chaque semaine, le laitier devait passer à remplir. On s'en va les couilles. À sentir le lait frais. Oh! Il est bien passé cette semaine. Tu es mort? Karl n'eut aucun mal à reconnaître son employeur. Cette trace de main? Il avait été assassiné. Il ne fallait pas être détective pour le constater. Et toi, tu prends une photo. Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près. Que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende. Ok. Gardez la photo. C'était là, disait-on, que le service secret du Canada avait sa boîte postale. Holy fuck! De garage, une liste de clients. Ouais. À voir le registre, on dirait bien que tout le village vivait grâce au crédit du magasin général. Karl vit là plusieurs bonnes gens qu'il voudrait bien visiter. Scotch, du tabac, je crois. Instruction pour ouvrir la caisse enregistreuse. Composer le prix deux chiffres maximum. Appuyez sur sale. Faites deux tours de manivelle et donnez des coups si ça marche pas. C'est bien connu que si un truc marche pas, faut taper dessus. Au hasard, sale. Deux tours de manivelle. Et bang! À moi la monnaie! Merde. Clé de la poste. Donc c'est une des clés derrière, c'est ça? Ah, c'est ça qui lui fait peur. Ça, le bâtard. What the fuck? L'arme du crime. Holy shit! Des loups? Karl se souvint, non sans courage, de ses cours de survie dans la nature. Les loups jamais n'approchent les lieux habités. À moins que ce ne soit les ours. Karl était habitué aux choses étranges. Mais une glace comme ça, ou un iceberg sorti du sol, il n'en avait jamais vu avant. Donc il y a un chemin là, et un chemin là. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il y a des par là? Des empreintes. Karl avançait de surprise en surprise.
Était-ce un défaut de la planète ou une piste à suivre? Atamipek Est, ça on avait vu tout à l'heure. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Karl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose. Aucun loup n'aurait pu faire ça. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? S'étonna Karl. Ça ressemblait à un homme fossilisé. What the fuck? Soudain, ce fut comme si Karl s'évanouissait dans un monde de rêve. Il se sentait sombré dans une dimension froide où tout échappait à son contrôle. Il s'est fait attaquer par un loup. Là, il y a du feu, il y a un truc là. On aurait dit un journal de chasse. La bête dort de longs moments, son sanctuaire semble inviolable, de la glace partout, faut attendre, nanana. Ok. Là, des traces. Alright. Là, il y a un collier. À quoi rimaient donc ces chiffres gravés dans le métal? 739. Une nouvelle piste s'ouvrait soudainement devant Karl. Ouais. Non mais c'est chaud quand même de courir à poil comme ça dans la forêt alors qu'il y a des gens qui sont morts et tout, il y a des loups et tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Étrange. Ah ok, et là on arrive à sa voiture. Et la clé de l'énigme elle est là. Karl eut cette impression qu'on a lorsque les mains gelées on les plonge sous l'eau chaude. Que s'était-il passé? La chance. Le fait demeurait. Il savait maintenant que le pauvre homme tétanisé dans la glace était le tenancier du magasin général, Gilles Lachance. Ouais. Il fallait avoir quelque chose d'urgent à faire pour laisser son camion comme ça au travers de la route. Et là, je suis de retour au magasin général. Ok. C'est allumé, là? Non, ou alors il y a... Putain, il y a plus de jus dans la baraque. Une chaufferette sans électricité, c'est comme un poêle sans bois. Les pots ne donnent pas si facilement leur divin nectar. Il fallait les activer. Il ne restait plus qu'à trouver l'interrupteur. Mais j'ai trouvé l'interrupteur, mais il n'y a plus de jus. À l'intérieur. Bah oui, Michel. Là. Karl n'était pas électricien, mais il savait reconnaître un problème de filage quand il en voyait. Franchement, ce jeu, c'est de la baise, hein. Du début à la fin, on s'est fait ken, mais bien sévèrement. Donc, reste plus qu'à trouver la pince. Avec ce froid, Karl sentait déjà plus ses orteils. J'ai la pince, Mother of God. Nice. Donc j'ai qu'à réparer ça en fait. Holy shit! Électricité is back! Electricity is back! Plus qu'à activer ça. Bam! Et on va mettre de l'essence là-dedans, on va repartir. C'est parti! Cinématique. Hop. Let's go. Et là maintenant je peux me balader un petit peu en voiture, c'est ça? Avec la liste, il ne restait qu'à trier les bandits des honnêtes gens. Un tour du village s'imposait. Ah
Maison des Blesses. La maison semblait figée dans l'hiver. On dirait bien attendre l'oreille. Ouais, je vais tendre l'oreille, mais je vais reprendre mon pétard, si tu me permets, mon ami. Qu'il n'y avait personne. Il me faut une clé. Pour ça, il va falloir fouiller, pour sûr. Évidemment. Il n'y a plus personne dans le village, ou... Bonjour, c'est le service d'inspection. Hop, ça on prend, évidemment on fouille tout, hein, on n'est pas comme ça. Nous on rentre, on se met bien. Hamilton, c'est vide nouveau. Hop, nouvelle écriture au journal. On regardera le journal après cette maison là. Donc voilà, on va fouiller. La clé ressemblait à une clé de cadenas. Nice. Il y avait une inscription dessus. Ça disait Cloutier et fils. Comme une compagnie. Il s'agissait de garder l'œil ouvert. Les entreprises n'étaient pas légion dans le coin. De l'argent dans la jarre. Dommage. Carl aurait préféré des biscuits. Il y a du bruit. C'est la maison qui chante ou... Là, un papier. C'était le reçu pour un travail de misère. Alexandre Blais se fendait en quatre et fendait du bois pour le compte de Cloutier et fils. On va aller fouiller là. Ah, je peux fouiller. Il y a un dessin. Le monstre. Donc il y a une histoire de monstre. Alright. Alright. Il y a un Slenderman qui va me sauter dessus, vous allez rien comprendre. Dégage ta mère toi. Et il a fermé la porte. La tempête frappait tout sans distinction. Carl constata sans surprise la ligne hors service. Et donc... Ah, j'ai pas la bonne. Avec ses gros doigts, Carl pouvait pas atteindre la clé. Oui, bien évidemment. Mais du coup, il faut que je trouve quoi? Il faut que je trouve la ficelle pour attacher au truc derrière. Et que je la mette dans le trou et... Bien, ok, ouais. 2 hours later. Écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser ici. C'était déjà une belle aventure. C'est un jeu narratif qui a du potentiel. Je pense qu'il y a toute une intrigue à peaufiner. C'est pas mon style de jeu d'habitude, mais il m'intéresse énormément et j'espère que la vidéo vous a plu autant qu'à moi. J'ai vraiment eu du mal à faire ce commentaire parce que j'étais très pris dans mon gameplay et j'ai trouvé ça justement agréable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2, si vous voulez que je fasse la suite de l'aventure avec vous. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas grave, ça m'évitera de bosser pour rien, de faire du montage pour rien. Donc vraiment, je compte sur vos retours pour me prononcer tout simplement. Et mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. C'est une aventure. C'est une aventure qui s'annonce extraordinaire et j'aimerais bien la partager avec vous. Salut tout le monde, c'était White. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Peace.